Allez, draft en ligne. Les amis, la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin. N'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%. Faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie. Le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. C'est tombé sur une draft, un sub. Alors on part sur une draft en ligne. On n'a pas eu de demande particulière, donc on va y aller comme ça. Vas-y, je vais jouer le 4-1-2-1-2 pour essayer de me familiariser avec le milieu offensif et tout. Alors, du coup, en termes de capitaine, est-ce qu'on a envie de prendre Gianni pour se dire au moins ça prend pas un poste? Est-ce qu'on a envie de prendre lui? Non, ça pas bon. Après, Osimhen est intéressant, mais vas-y Gianni. Vas-y, j'ai envie de tester Gianni aussi. J'ai pas testé, pourquoi pas la tester en super sub? Et ça nous fait la libération. Et on va faire une équipe autour de nos buteurs. Donc Mofi peut être intéressant en Ligue 1 ici. On a la Lacazette. Ouais, je pense que Mofi va être le plus intéressant ici. Et en termes de deuxième buteur, c'est dommage de pas avoir eu un mec qui s'appelle M et qui finit par Mbappé. Mais on va jouer Wai du coup. On partirait donc peut-être sur une Ligue 1 ici. À voir. Milieu offensif. Vas-y, on va prendre Pina parce qu'on sait que dans ce club de Barcelone féminine il y a des monstres. Ok, De Jong qui va faire le lien avec elle. Kroos, Barella, je pense que ça va être De Jong ici pour faire des liens au pire Barcelone. Deuxième milieu centre et malheureusement pas de championnat qu'il faut. On n'a pas de lien non plus. Et ben on est déjà dans la mouise. Et milieu défensif ici. Au lieu de prendre Hojbjerg, ah ouais, ça commence toujours un peu compliqué. Ouais, il faut faire des premières ligues, hein. Faut jamais se prendre la tête, je pense, en vrai. Mendy va être intéressant ici, oui. Ouais, bon, ben, qu'est-ce que tu veux jouer en plus, quoi? C'est simple. Vas-y, je vais prendre Victor Diaz, il faut faire plus de liens, hein. Je crois qu'on doit accepter de prendre la Liga. Et quand on dit ça, bah, on a de la Ligue 1. Mais mes drafts sont toujours un peu compliqués, hein. Je suis vraiment nul en draft. Nul à la sélection, nul en gameplay. C'est vraiment pas mon truc pour moi. Jesús Navas va faire le taf ici. Et en termes de gardien, bah, bien évidemment, on va pas en avoir un de la bonne ligue. Du coup, on va prendre un gardien du FC Metz. Espérant éventuellement que le gardien remplaçant soit un gardien de Liga. Et bien évidemment que non. Et donc du coup, eh ben on est vraiment dans la merde jusqu'au cou. Là, il n'y a pas à chier. On va prendre un mec de PL pour la suite. Virgil van Dijk. Ben malheureusement, j'ai pas forcément de PL. Après, j'ai un mec de Liverpool. Donc éventuellement, ça peut aider. Donc on va prendre Virgil pour faire de Liverpool. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un gardien anglais. Et ça fera le lien pour les joueurs de ce championnat-là. En défenseur... Ok. Il n'y a pas la ligue qui nous intéresse. C'est dur. Du coup, Lucas Vazquez peut-être plus intéressant éventuellement. Allez, vite fait. Milieu, ouais. C'est très compliqué, hein, ce qu'on nous propose ici. C'est vraiment pas fou. Pas grand-chose à faire avec tout ce qu'on nous propose ici, malheureusement. C'est dur. Là, il va falloir changer nos buteurs absolument, je crois. Bah, vas-y, on va quand même prendre Gueyoro qui pourra peut-être être plus complète. Ouais, ça sent la merde ici, les gars. Allez, on va prendre Trossard qui va faire quand même de la première ligue. C'est dur. Ici, rien d'intéressant. Peut-être Cabella, si jamais. Marco Frankowski. Bon, Frankowski peut jouer défenseur droit. Ce genre de draft, hein. On a même pas un super sub à mettre devant, quoi. C'est ça qui est dur aussi, quoi. On a pas genre un tueur, tu vas dire, bon, c'est pas grave, on le fera rentrer. Bon, bah, écoutez, c'est la vie, hein. Tant pis, hein. Allez, draft, on est vraiment pas doué. Allez, allons vite jouer ça et allons nous prendre une raclée. Vas-y, on y va comme ça. Les gars, de toute façon, là, je vais pas vous mentir, je suis pas forcément super serein. On est vraiment pas doué dans la création. Hein. Pouah là. Alors, on s'en sort bien en termes de collectif. Par contre, en termes de joueurs, là, mon attaque, elle me fait pas vibrer. Déjà que j'arrive pas à marquer des buts si j'ai pas de joueurs un petit peu fous. Hein. Mais après, à tout moment, voilà, ça peut passer. Vas-y, on va faire directement les changements. Je vais même pas prendre la tête. On va directement juste mettre ce qu'on pense être meilleur. Donc, Gianni va jouer quand même en pointe à la place de Wai. Mofi va quand même jouer à la place de Trossard. Guerrero va quand même aller à la place de Jones. Et on va tester ça. 4 étoiles, voilà. Mofi, c'est quoi? C'est pied gauche, pied droit. Vas-y, on est du bon côté. On y va comme ça, on essaye, on verra ça donne, les gars. Après, à tout moment, on peut gagner un match, tu vois. En plus, ça va être compliqué parce qu'on est vraiment pas très fort, mais voilà. Après, c'est vrai que c'est toujours avec les drafts les plus, en guillemets, éclatés qu'on a fait les meilleurs résultats. Hein. Donc, à tout moment. Et puis, peut-être que là, on a trouvé une formation qui va nous perdre de ouf. Hein. Full milieu centre, deux buteurs, un milieu offensif. Après, normalement, faut plutôt passer sur le côté cette année, apparemment. Mais bon, nous, vu qu'on se sent à l'aise nulle part, autant trouver notre style de jeu à nous. Hein. Notre chose qui nous plaît à nous. Ah, dommage, j'ai pas réussi à faire le crochet qu'il fallait. On a essayé, hein, on a essayé de la trouver. Alors, il est 16 mètres. Oui, le Lucas Vazquez. Pardon. Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. En plus, on a fait rentrer nos tueurs, là.
Voilà, Hochberg, Gianni. Gianni pour Gréo. Oui. Le centre pour Gianni, la tête cheatée des femmes. Mais oui, c'est tellement moche que c'est beau. Oh, incroyable. On centre pour la tête d'une féminine qui fait 1m20 et elle gagne son duel. Et ça, on apprécie bien évidemment quand c'est dans l'autre sens. Quand c'est dans l'autre sens, bien évidemment, on rage quitte, les gars. Parce que nous sommes des joueurs de FIFA et que nous sommes tous de mauvaise foi, bien évidemment. Surtout plus que d'autres. Moi, vous pouvez me mettre dans la catégorie des abuseurs, hein, bien évidemment. Ah, Mofi, dommage, dommage, Mofi, dommage. Ah, il était bien revenu, Diaby, là. Attention, 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 attention. Oh, pop, oui. Trop de comptes favorables, j'aime pas trop ça. Oui, bien, Virgile. Tout seul, Virgile. Tout seul. Tout seul. Tout seul, Virgile. Tout seul. Tout seul, Virgile. Voilà. Voilà. Tout part de Virgile. Oh, tout part de Virgile, les gars. Oh bah alors. Oh là là. Je fais le malin parce que chaque le deuxième match, je vais me faire soulever. Oh bah alors. Facile. J'ai l'impression que ça prend du plaisir là, non? Je profite, c'est le seul match que j'ai gagné aujourd'hui. Je profite parce que bon, clairement, c'est pas avec mon niveau actuel que je gagne beaucoup de matchs. Alors je profite d'avoir gagné là. Washington Spirit. Pickford, Gravel, Todibo, Dabis, Lemar, Mbappé, Cascarino, Mbappé. Vas-y, chatard. Trossard, merci beaucoup d'avoir joué, c'est cool. Gianni, Mofi, bien évidemment. On les switch les deux parce que bon pied, etc. Tu connais. Jones, on fait rentrer. Gayoro, qu'on va peut-être prendre dans notre équipe aussi là bientôt. Allez, the body, hein. Bon, là, on va vraiment faire le malin parce que clairement. Il y a deux matchs d'affilée. Ah, d'accord. Il a fait une glissade, mon gars. Eh oui, monsieur, eh oui. Mofi. Magolato. Oh, il a quitté, parfait. Là, on a de la chatte, on est tombé sur deux mecs pas forcément fous, quoi. Donc, c'est cool. Mais ouais. Putain, les gars, on a gagné deux matchs. On va pas se mentir, je pense pas qu'on fera plus. Mais... à tout moment, les gars, je vais remettre en question toutes mes compos et je vais jouer avec cette compo-là. Allez, c'est parti, troisième match, les gars. On a déjà notre corps en draft. On a notre record. Peut-être que je vais faire la putaclic et je bats mon record de draft. Les gens vont penser que c'est une note d'équipe. Alors que non, en fait, c'est juste que j'ai fait deux victoires. Moi, ça me ferait marrer, mais je sais comment les gens ils le prennent, ça, tu vois. Le mec, il va cliquer, il va voir une équipe éclatée au sol, il va dire vas-y, tu m'as menti, j'ai cliqué, j'ai perdu 8 secondes de ma vie. Voilà, flemme, quoi, tu vois. Non, 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 voilà, bien joué. Ouais, ouais, ouais. C'est... dégage. Voilà. Non. Même en dégageant, frérot, tu vois, même tu vois que ça commence un petit peu à être un petit peu bullshit, tu te dis, vas-y, je dégage. Tu fais un gros carré pour dégager. Ça arrive encore à faire des comptes favorables, même en dégageant, quoi. C'est triste. Oui. Allez. Eh ben, ça ressemble beaucoup au match où je me fais enfumer, ça. Oh, la passe est incroyable. Oh ouais, alors celle-là par contre, je vais pas mentir, voilà. Ah oui, mais bien sûr, penalty, c'est scandaleux. C'est réclusion à vie, ça, monsieur, hein. Mais oui, Gianni. Alors peut-être. Tacle-le, mais tacle-le, là, ce grand. Oui. Oui. Encore! Oh les gars, on est en finale. Oh, ça nous est jamais arrivé, les gars. Oh, j'ai envie de chialer. 3-0, 2-0, 3-1. Les gars, le bilan, regardez, je vous mentais pas. On était en 3 victoires, 7 défaites. Hein. j'ai rien inventé. Hein. Bienvenue sur un youtubeur éclaté en coup sol encore plus que les années d'avant. Hein. Envie de faire ta vidéo record maintenant. Ouais, possible, on mettra ça. Je fais mon record en draft. Même si on perd la finale, c'est le record. On a fait 3 victoires. Tu la sens? Ah, je la sens pas du tout là, hein, vraiment. Ça va être dur. Hein. Courtois, Saliba, Potores, Mounia, Nkunku. Ah, il a une petite équipe, ça va être un tueur. Frérot, lui, c'est un joueur pro 100%. C'est bon, on a compris. Voilà, on est tombé contre Dieu. C'est bon, vas-y. Oh là là, tu le sais. Petite équipe, pro player, c'est sûr. Par contre, Gianni, à tout moment, je vais la prendre pour mon équipe, frérot. Hein. Gianni, elle fait le taf, j'aime bien. Hein. Il va te soulever. Ouais, ouais. Mais j'ai fait mon record. Oui, Virgile. Pardon, je l'ai fait comme une victoire, hein, les tacles. Oh,
Il vient vite, lui. Ah, dommage. Mais oui, c'est travaillé, ça, mon pote. Alors peut-être, les gars, j'ai envie de rêver. Arrêtez-le. Oui. Non, pas la plus petite, en fait. Mais non, bah oui, mais elle fait 1m2. Mais il fait 1m2, pourquoi c'est elle qui va en contre le mandat, sa mère? Ça va, vous? Ouais, voilà, et voilà, et voilà, voilà, je suis énervé, je fais de la merde. Ah ouais, non, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux, le duel de la tête, il est scandaleux. Bon, bah j'ai plus de joueurs. Voilà, non, mais c'était sûr. On s'est trop enflammé, frérot, deux extérieurs du pied, 2-1, voilà, fallait que je ferme ma bouche, hein. C'est dur. Ah ouais, on touche plus la balle, c'est bon, c'est fini. C'est fini, j'ai plus le droit de jouer. Ah ouais, c'est fini, les gars. Ah, regarde qui met un coup de physique à qui, et t'as juste envie de quitter le match, quoi. Je te mens pas. Mofi. J'ai demandé une frappe, hein. J'ai demandé une frappe directe, hein. J'ai demandé une frappe directe, d'ailleurs, après, ça a activé le time finishing parce que j'avais déjà frappé à la base. Il a pas tiré. Il a pas... Mais il a bugué. Ah, putain. Ah, elle est pas dedans. Oh, e-sport. Ouais, Mofi, au moins la vitesse, hein, au moins ça. Parce que les contrôles de balles et tout, c'est compliqué. Voilà, très bien. Voilà, dégueulasse, merci beaucoup. Au moins, il fait du bien. Allez, c'est possible, les gars. C'est possible, hein. C'est possible, mais voilà, va falloir marquer les actions, quoi. C'est dur, quoi. Ah, et on marque pas! Allez, les gars, oh! Attention. Ouais, non, j'arrive pas. Je me fais voler ce match. Ouais, bon, tu vois bien. On n'a pas le droit, les gars. Tant pis. Encore une défaite en draft, mais on a rabattu notre corps. Ma foi, les gars, c'est un jeu qui va nous rendre fous toute l'année, hein. Et en termes de récompense, bah pas récompensé, bien évidemment. Le petit paréro. Comme d'hab, si on a une anime, c'est un espagnol. Bah, c'est dommage. Franchement, je te dis... Oh, un petit boost, ok, cool. Et au moins, on aura gagné plus de matchs que les dernières fois. Mais un peu dégoûté de cette finale qui vraiment était full prenable. Attends, à tout moment, est-ce qu'il y a un truc qui est vendable là ou pas? Ouais, non. Allez, à plus. Ciao, ciao, les potes.